Atteignant en moyenne 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, le nord du Tibet est le coin de nature le plus élevé du monde. Au-delà de 4000 mètres d'altitude, l'antilope tibétaine règne sur le plateau Chiraï-Tibet. Il s'agit de son seul habitat. Sur cette vaste lande à mi-chemin entre la terre et les cieux, le niveau d'oxygène n'atteint que la moitié de ce qu'il est au niveau de la mer. Les êtres humains se sont repliés sur cette frange de ce terrain sauvage, mais le plateau abrite 21 espèces de mammifères et 65 espèces d'oiseaux. La vie et la mort s'entrelacent. Les cruautés et les magnificences partagent un même lieu. Les plus belles fleurs poussent dans cette rude région. Avec l'air froid et rare, la vie s'attache ténacieusement à chaque opportunité que la nature fournit. Tous les jours, le plateau tibétain du Nord est une scène de drame et d'émerveillement. À mi-chemin du ciel, nous sommes déjà au paradis des animaux sauvages. En hiver, les températures sur le plateau peuvent chuter jusqu'à moins 30 degrés. Pour beaucoup d'animaux, le plus grand défi est de trouver de l'eau. L'antilope tibétaine n'est pas une exception. La glace et la neige sont les sources les plus facilement accessibles de ce liquide vital. En cette saison où la terre gît gelée, tous les animaux sont poussés à la rechercher. Il s'agit en effet d'une source de vie, mais aussi de danger. Graduellement, les prédateurs se rassemblent. Une meute de loups calcule ses chances tout en fixant les antilopes. Les plus petites femelles sont les proies les plus aisées pour la meute. En un rien de temps, une antilope tibétaine mâle apparaît pour distraire les loups. Les mâles adultes peuvent courir jusqu'à 100 km. Aucun prédateur n'est capable de les rattraper. Il n'y a que dans le froid de décembre que les mâles reviennent à leur troupeau pour former leur harem avec les femelles errantes. Il s'agit de leur saison des amours. Les antilopes mâles ont emmagasiné de l'énergie toute l'année pour ce moment. Dans cette saison des plus froides, se dévoilent les passions les plus enflammées. Oh,
Dans cette nature hivernale, les mâles essaient de former le plus grand harem qu'ils peuvent. Mais gagner le droit de s'accoupler n'est pas simple et la compétition est toujours féroce. Les antilopes tibétaines mâles adultes peuvent peser jusqu'à 40 kg. Leurs cornes, d'une longueur d'environ 1,5 m, sont comme des dagues. Ces épreuves de force apparemment amicales vont bientôt mener à une lutte entre la vie et la mort. Personne n'ose baisser sa garde. Le gagnant remporte tout. Chaque année, il y a des décès parmi les mâles. Seuls les vainqueurs passeront leurs gènes à la prochaine génération. Autrefois, il y avait plus d'un million d'antilopes tibétaines sur ce vaste plateau. Les efforts de conservation les plus récents ont permis de faire grandir la présente population à plus de 200 000. À 1000 km au nord-ouest, la dépression Le Tourfan du désert de Gobi, dans l'est du Xinjiang, se trouve en certains endroits à 154 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il s'agit de la quatrième plus basse altitude terrestre du monde. Le paysage est peuplé par des dunes mobiles, soufflées par le vent, pouvant atteindre jusqu'à 500 mètres de hauteur. En été, la température sur le sable peut atteindre jusqu'à 80 degrés Celsius. La chaleur accablante menace la vie et l'intégrité physique de chaque créature, grande ou petite. Le soir, toutefois, la chaleur se dissipe rapidement et toutes sortes de renégats émergent de leurs cachettes. Une espèce de lézard unique à la Chine, Teratosinscus roborovski, se trouve parmi eux. Malgré sa petite taille, elle montre sa puissance et elle gagna rapidement son nom en chinois, le tigre des sables. La dépression Le Tourfan est l'endroit le plus sec de la Chine. Les précipitations annuelles cumulent à peine 10 mm. Dans cet océan aride, le tigre des sables a maîtrisé l'art de trouver le peu d'eau qu'il peut.
Chaque jour avant le lever du soleil, alors que les températures dans le désert plongent à leur plus bas niveau, de la vapeur d'eau se condense sur les branches et feuilles de petites plantes. La rosée est comme de l'eau de source claire pour un tigre des sables assoiffé. Ainsi, le désert est loin d'être dépourvu de vie. Sur ces vastes tronçons de sable jaune, ces plantes poussent obstinément en formant de minuscules oasis pour ceux sachant tirer avantage de ce qu'elles ont à offrir. La route du territoire le plus au nord-ouest jusqu'aux recoins les plus au sud de la Chine implique un changement de scène du sable à la mer. La mer de Chine du Sud recouvre une aire de 3,5 millions de kilomètres carrés et ses chaudes eaux tropicales abritent un magnifique éventail de vie aquatique. Plus de 1500 espèces de poissons et plus de 250 sortes de mollusques marins se retrouvent ici. Le cadre idéal pour un rassemblement des plus diversifiés de ces créatures extraordinaires est un récif corallien. Les coraux sont des invertébrés aquatiques vivant en colonies densément peuplées. Les coraux tropicaux vivent généralement à des profondeurs en deçà de 40 mètres, afin de profiter de la lumière du soleil et permettre la photosynthèse chez les organismes unicellulaires symbiotiques vivant à l'intérieur de leur corps. Les récifs produits par les coraux grandissent vite et librement, devenant sanctuaires pour une myriade d'autres habitants exotiques. Un soir d'avril, une équipe de biologistes marins sort en mer. Ils se sont préparés toute l'année pour ce moment. Il s'agit de la seule opportunité qu'ils auront dans les 12 prochains mois. Ils plongent pour observer les coraux le seul soir de l'année où ceux-ci pondent leurs œufs et sécrètent leur sperme dans l'eau. Cet événement est connu sous le nom de reproduction synchronisée. La plongée nocturne est une chose délicate. Les courants sous-marins et la faible visibilité signifient que les plongeurs peuvent se perdre facilement. Les dangers ne sont pas inconsidérables. Alors qu'ils atteignent le site du récif, les plongeurs s'occupent des dernières préparations. Puis ils plongent dans les profondeurs troubles. Thank you.
La reproduction synchronisée des coraux est déclenchée par une succession de signaux émis par l'environnement, incluant la montée de la température de l'eau, la longueur des journées, l'effet de la lune sur les marées et finalement l'heure du coucher du soleil le jour même. Lors d'événements de reproduction majeure, la mer devient entièrement trouble pour des kilomètres à la ronde. Les œufs fécondés, que l'on appelle planula, seront transportés par les courants et iront fonder de nouvelles colonies, ou bien feront festin pour une horde de bouches affamées. Les scientifiques collectent minutieusement leurs échantillons. Avec ceci, ils pourront étudier la croissance des coraux de zéro dans leur laboratoire, puis faire en sorte de mieux promouvoir le respect des merveilles de l'océan chez l'être humain.
Le printemps arrive tard au nord du plateau tibétain. En juin, la neige et la glace se mettent finalement à fondre pour former ruisseaux et rivières. Les lacs représentent le quart de l'aire de sa surface. L'ensemble du plateau est la source de plusieurs des grandes rivières d'Asie. La chaleur grandissante du soleil ranime ce lézard se prélassant sur les rochers. Des créatures ayant hiberné pendant 6 mois émergent pour voir la lumière du jour. La marmotte met fin à son séjour souterrain. Le plateau est verdoyant et fourmille de délicieuses choses. Les animaux s'étirent et s'en vont, gambadant dans leur liberté nouvellement retrouvée. Des cris d'alarme causent une panique soudaine dans les herbes et près des terriers. Les palas souterrains de ces marmottes ont généralement plusieurs entrées. Une fois à l'intérieur, ils ne seront plus de proie facile pour les prédateurs de passage. Le renard déçu doit s'éclipser pour réfléchir de nouveau à son plan. Alors qu'arrive la fin juin, après un voyage d'une centaine de kilomètres, l'antilope tibétaine femelle atteint enfin le site de Vélage, le sud de la cordillère de Kunlun. Avoir survécu à un si long voyage tout en faisant face au manque de nourriture ainsi qu'aux montagnes et aux rivières relève du miracle. La raison pour laquelle les antilopes tibétaines font ce voyage demeure un mystère. Les femelles, épuisées, ont droit enfin à du repos plutôt temporaire. Elles ont transporté leur progéniture pendant 6 mois et vont bientôt accoucher. Toutefois, elles n'obtiennent que peu de répit. Des prédateurs ont suivi la piste de leur migration. L'ours brun du Tibet est l'un des plus larges prédateurs du plateau. Il s'agit d'un opportuniste avec un énorme appétit. Il ne peut se permettre de manquer une chance de se nourrir. L'ours brun recouvre ses forces près du site de Vélage, attendant qu'une proie se présente sur son chemin. Sur l'étendue de cette prairie, les femelles cherchent à cacher leur nouveau-né dans la végétation. Thank you.
Le climat sur le plateau est très variable. Ce bébé antilope est né sous la pluie. Il y a peu d'abris pour le protéger. Par instant, il rampe dans l'herbe pour éviter les prédateurs. Sa mère garde ses distances pour ne pas attirer l'attention sur lui. Il doit apprendre à se tenir debout et à marcher en moins de 20 minutes. Il n'y a que de cette façon qu'il parviendra à retrouver sa mère et à rentrer avec son troupeau. S'il ne réussit pas à marcher au plus vite, il sera rapidement à la merci des prédateurs. Après ses premiers pas chancelants, le bébé antilope va commencer son voyage de 500 km vers la maison. La province du Yunnan est située au plus sud-ouest de la Chine. Elle est connue pour sa production de thé et d'herbes médicinales. Vivant dans des régions montagneuses, la minorité d'Aï est un peuple ingénieux et habile. Ils décorent leurs vêtements de brocades représentant des animaux familiers, puis ils se les lèguent de génération en génération. L'un des animaux qui apparaît souvent dans ces brocades, c'est l'immanquable éléphant d'Asie. Les éléphants d'Asie pèsent jusqu'à 5 tonnes. Ils vivent dans la jungle primitive. Chaque éléphant d'Asie consomme de 30 à 60 kg de nourriture par jour. Les éléphants sauvages vivent habituellement en unité familiale. Un troupeau peut se composer d'à peu près 10 éléphants. Ils ont besoin d'un large territoire pour s'alimenter, mais leur habitat dans la forêt tropicale ne cesse de rétrécir. Parfois, les troupeaux doivent passer par des territoires humains lorsqu'ils cherchent de la nourriture. La banane et la canne à sucre sont prisées tant par l'homme que par la bête, ce qui peut mener à un conflit dangereux.
Les terres agricoles et les plantations de thé s'étendent de plus en plus dans les montagnes d'année en année, diminuant l'habitat de ces éléphants ainsi que leurs ressources naturelles de nourriture. Alors que leur espace de vie est de plus en plus petit, ils sont forcés d'entrer en plus grand contact avec le monde des humains. Les éléphants d'Asie sauvages sont agressifs et toute rencontre avec eux est dangereuse. Il y a régulièrement des rapports faisant compte rendu d'éléphants sauvages ayant blessé ou même tué des humains. Alors que les conflits s'intensifient, les deux côtés ont besoin de se protéger l'un de l'autre. Le travail du garde forestier Lee Doming est de suivre et surveiller les éléphants partout où ils vagabondent. Chaque jour, il se rend plus profond dans la jungle, cherchant des éléphants sauvages. Il informe les villageois locaux de la présence d'éléphants dans la région. Ces éléphants voyagent souvent 30 km par jour à la recherche de nourriture. Il est impossible de vraiment prévoir là où ils apparaîtront ensuite. La quête de Lee Doming l'amène au-delà des montagnes et au fond de ravins escarpés. Bien que les éléphants soient énormes, ils se déplacent tranquillement à travers la forêt profonde. Le feuillage dense fait qu'il est difficile de les suivre. Toutefois, les éléphants adorent l'eau, et assez rapidement, leur randonnée les amènera à un terrain de jeu près des rives. L'être humain est capable de mettre des montagnes à niveau et de changer le cours des rivières, mais face au plus gros animal terrestre de la planète, il est lent, faible et vulnérable. Aujourd'hui, les villageois, aidés de Lee Doming, doivent apprendre à cohabiter en sécurité et paisiblement avec ces merveilles de la nature.
L'été, le pika à lèvres noires du plateau tibétain du Nord commence à se faire de nouveaux nids. Chaque famille excave son propre système de caves complexes sous une épaisse motte. Le pika du plateau représente la plus grande population d'animaux de prairie au monde. Ils ont une stupéfiante capacité à se reproduire, et tout l'été pour la mettre en pratique. Au cours d'une saison, une pika femelle peut mettre à bas 2 portées jusqu'à 10 petits chacune. Le chat des steppes est le chat mystérieux de la famille des félins. Rarement vu, il balaie du regard la prairie avec une patience et une vigilance incomparables à la recherche de proies. À peine plus gros qu'un chat domestique, il est en vérité un grand chasseur, ce qui permet au moins de contrôler l'explosion de la population des pikas. Au sommet du monde, la dureté de l'environnement et la ténacité de la vie entretiennent un équilibre délicat. La nature est révélée dans toute sa gloire, également belle et cruelle. Les loups se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Le yak sauvage est le plus large animal sur le plateau. Lorsque les loups attaquent, les yaks forment rapidement un troupeau afin de protéger leur progéniture. Un yak sauvage adulte pèse jusqu'à 500 kg. Un loup pèse moins d'un dixième de cela. Toutefois, si les loups arrivent à trouver une progéniture malchanceuse, il n'y a presque plus rien que la mère puisse faire maintenant pour protéger son enfant blessé à mort.
Elle monte la garde auprès de son cadavre pendant quelques instants. Mais enfin, elle devra partir et les loups auront leur festin. L'odeur de la mort plane sur la brise. Des charognards suivent de près les pas des prédateurs. En premier viennent les corbeaux bruyants. Ensuite, les vautours silencieux se rajoutent à la fesse. Une jeune vie permet d'en soutenir plusieurs autres. Sur le plateau désert, rien ne se gaspille. Tout désir et vie doivent mourir pour naître de nouveau un prochain jour. Le modèle de la vie et de la mort est bien établi sur ces prairies éloignées. Chaque créature y vivant a son propre rôle à jouer. Les petites antilopes tibétaines boivent le lait riche en éléments nutritifs et absorbent l'énergie que leurs mères ont tirée de l'herbe. Leur trajet est décidé. Elles auront à se joindre à la migration des antilopes femelles du site de mise à bas à basse altitude jusqu'au haut plateau. Il s'agit d'un voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Plus de la moitié des progénitures vont mourir en chemin. Chaque année, plus de 100 000 individus font cette randonnée à travers le plateau Qinghai-Tibet du Nord. Il s'agit là de l'une des merveilles de la nature. Seuls les plus forts survivront. Devant le grand balai de la nature,
Il ne peut en être autrement. Les montagnes de la Chine font d'elle un incroyable pays. La chute verticale de plus de 9000 mètres de son point le plus élevé à son point le plus bas en altitude la dote d'écosystèmes et de biodiversité des plus divers au monde. Parmi les montagnes se cachent les secrets de la nature.